Une production Girl Crush. Hello! Aujourd'hui, vous allez voir, on se retrouve pour un épisode qui... Ben, probablement, on a vraiment beaucoup ri là, dans cet épisode. Ouais, on a un rire facile aujourd'hui. Ouais, mais on vous raconte la story time de quand on est allé au New York Fashion Week. Et c'est passé tellement de choses behind the scenes, puis il y a tellement de choses que vous ne voyez pas sur Instagram. Fait qu'on vous montre pas mal toute l'envers du décor, puis tout le tea sur les behind the scenes d'un événement comme ça. Fait que là-dessus, bon podcast! Hello! Ma voix qui déraille. Oh my god. Ouais. Aujourd'hui, guys, il n'y en aura pas de facile. Parce que. On a un petit peu brossé hier, ok? Ah, t'es moins bien que j'ai encore les tempes sur mon poignet. Oh my god. Fait qu'on est, déshydratés. Mais on a le rire facile aujourd'hui. Fait que je pense que ça va être drôle. Ben oui. Parce qu'en plus, on s'embarque dans une story time que ça fait super longtemps qu'on avait envie d'expliquer. Mais c'est ça. Si des fois, il y a des mots qui font pas de sens. Désolée. Tout simplement. Puis aussi, je tiens à dire, genre, honnêtement, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec notre lifestyle. Genre, on sort plus la semaine que la fin de semaine. Je comprends pas pourquoi à Montréal, c'est comme... Je pense qu'en fin de semaine, c'est comme pour relaxer, puis la semaine, on... On fait tout. On fait tout. On ressort, on party, on grind. Genre, on est revenu à 5h du matin. Toi, tu t'es couché. Je sais même pas à quelle heure je me suis couchée, là. En tout cas, j'ai clairement pas eu assez d'heures de sommeil. But here we are today. Puis, on est full excité pour cette histoire-là. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on avait hâte à ce moment. On avait hâte de vous raconter cette story time et qu'il y ait toutes les behind the scenes derrière le New York Fashion Week. Parce que il y a tellement de choses qui se sont passées behind the scenes. Puis genre, nous, on a juste comme, tu sais, on postait nos photos sur Instagram. Puis genre, honnêtement, quand tu regardes nos feeds Instagram à ce moment-là, c'est vraiment malade l'image que ça donne, mais c'est comme... Il y a tellement de choses qui sont passées derrière. T'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe vraiment. Fait que, tu sais, l'été passé, on a vécu une tonne de choses. On est allé en tournée de bus. Moi, j'étais allée en voyage. Tu sais, toi aussi, t'as fait quelques trucs aussi. En fait, je pense que c'était ton premier voyage que t'as fait, hein. Ouais. Moi, dans le fond, quand on a pris l'avion pour aller à New York, c'était la première fois que je reprenais l'avion depuis le début de la pandémie. Fait que ça faisait plus qu'un an et demi que j'avais pas pris l'avion. Je pense que c'est la plus longue période. C'est super comme privilégié de dire ça, mais je suis vraiment chanceuse. Puis je pense que c'est la plus longue période de ma vie que j'ai pas pris l'avion. Comme j'ai comme toujours vraiment beaucoup voyagé. Fait que c'était comme super bizarre, mais en même temps, c'était tellement le fun de pouvoir reconnecter avec cette partie-là de la vie. On dirait que j'avais juste comme... T'sais, oublié ce que c'était. Fait que là, c'était comme toute une aventure. Ouais, mille fois plus excitant. On était même pas sûr d'y aller, là. C'est ça. Puis, à New York. Ouais. Puis il y a eu juste tellement de rebondissements. Fait que ça caractérise, justement, tout ce qui consiste à une aventure, là. Ouais. Genre, une aventure ne peut pas être parfaite. Tout ne peut pas se passer comme prévu. Puis c'est exactement ça qu'on va vous montrer. On a la preuve. C'est toutes les choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Puis toutes les behind the scenes. Fait que, en gros, première chose, ok, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on organise, ça dans le fond, genre aller à New York, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un peu un PR trip. Fait que attends, par où qu'on commence? Est-ce qu'on explique le New York Fashion Week ou est-ce qu'on explique le behind the scenes du PR trip? Ben, je pense que c'est une bonne idée d'expliquer New York Fashion Week. Dans le sens, premièrement, pour nous, c'était vraiment important d'y aller parce que, ben, vous savez, on a une compagnie de vêtements. Le New York Fashion Week, ça dit, c'est plein de compagnies, ou des gens, en fait, qui sont en lien avec le fashion. C'est des stylistes, des PR, whatever. Tout le monde. C'est un rassemblement de l'industrie de la mode. Exact. Il y a, dans le fond, il y a aussi comme le Fashion Month. Fait que, dans le fond, la Fashion Week de New York, c'est la première du Fashion Month. Fait que ça veut dire que c'est pendant un mois, à chaque semaine, il y a une Fashion Week dans une grande ville différente. Fait que la première, c'est à New York. Je pense que la deuxième, c'est peut-être Milan. Ouais. Après ça, t'as aussi Paris. Miami? Non, Miami, c'est pour le Swim Week. Ou Londres? Ouais, je pense qu'il y a peut-être Londres. Fait que les gens qui sont vraiment calés dans l'industrie de la mode, mettons, les fashion bloggers qui sont comme... vraiment connus là-dedans, vont faire vraiment chaque Fashion Week. Fait qu'ils vont y aller. Puis eux, dans le fond, pendant cette période-là, ils vont assister à tous les défilés. Fait qu'il y a des défilés à chaque endroit. Puis dans le fond, nous, vu qu'on aspire à devenir à ce niveau-là, tu sais, notre but, c'était de se mettre dans cet environnement-là, mais comme
Tu sais, on est juste des petites créatrices de contenu au Québec, là. Ouais. Les gens à l'international, c'est encore les de l'usure. On est sur des cournoyés. Fait que c'était comme de se mettre dans cet environnement-là pour essayer d'avoir ce type de possibilité, alors qu'en réalité, on n'en avait pas des invitations dans des défilés de mode de designer. On a make our way through, là. Ouais. Mais j'ai une question. Il me semble que c'est toi qui m'as expliqué ça, mais il me semble qu'il y a un fashion mode l'été puis un l'hiver. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a deux par année. Fait qu'il y a celui en septembre, puis il y a celui en février. Fait que celui de septembre, c'est pour les trends de spring-summer. Mm. Puis après ça, celui à l'hiver, c'est pour fall-winter. Fait que c'est comme 6 mois. Vous comprenez que... excuse-moi, je t'ai coupé, mais je veux dire que vous comprenez que nous, on voulait aller au New York Fashion Week quand il n'allait pas avoir dehors de la neige. Puis... Ouais, c'est ça, quand il fait pas froid. Mais aussi, à spécifier, moi, j'étais allée une première fois au Fashion Week parce que j'avais eu une super belle opportunité de travail avec Essie, qui font les ongles, les vernis à ongles. Fait que je sais pas pourquoi je le spécifie. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. J'ai quand même spécifié. Fait que j'étais allée une première fois puis j'avais pu assister à un défilé. Fait que c'était super nice. C'était comme le défilé de Kate Spade. Puis juste cette fois-là, comme il m'avait booké dans un hôtel incroyable. Il était tellement beau l'hôtel. Maintenant que j'y repense, je suis comme... Finalement, ça devait être genre tellement cher. Là, la nuit, là, il y avait une vue incroyable. Puis justement, il y avait plein de comme... Il y a une fashion influencer que genre moi je fangirl vraiment beaucoup dessus qui s'appelle Xenia, puis genre Xenia Adon, c'est qui, fait que vous direz checker son contenu est fire. Puis genre je fangirl tellement dessus, puis elle était dans le même hôtel que moi, puis genre quand que je l'ai croisée, j'étais comme oh my god, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais y dire allô, plus comme je vais peut-être pas la revoir, genre faut que je prenne cette opportunité. Puis finalement j'étais allée la voir, j'ai dit allô, t'es tellement bien faite, puis j'ai dit que j'adorais vraiment son contenu, puis tout ça. Puis en tout cas, j'ai pas pris de photo, là je me suis pas rendue là, mais j'en ai non, juste c'est parfait. Ouais, justement, on va vous dire nos tips and tricks. C'est ça. Fait que ça, c'était comme un peu premier truc. Fait que cette fois-là, c'était comme un peu organisé. Mais là, cette fois-ci, ce qui était différent, c'est qu'on savait qu'on voulait aller ensemble au New York Fashion Week, mais on n'avait pas d'invitation nulle part. Mm-hmm. Puis on savait aussi que ce Fashion Week-là allait être particulier parce que c'est le premier Fashion Week après la après la pandémie. Fait que ce qui était particulier aussi, c'est qu'il y avait une partie des défilés en ligne, puis une autre partie en vrai, vu que c'était comme le premier comme qui transitionnait. Fait que c'était fou. Puis en fait, vous allez sur le site du New York Fashion Week, puis vous avez l'horreur à chaque fois. Fait que des fois, il est écrit c'est quoi le défilé, mais il est pas écrit l'adresse, évidemment, parce que tout le monde pourrait se pointer. Fait que c'est juste le fait que toi, tu sois allé à un défilé de Kate Spade, c'était vraiment privilégié, parce que juste live, nous, ça aurait été notre rêve, mais ça s'est pas passé, finalement. Ouais, c'est ça. On a pas réussi à assister à aucun défilé. Fait qu'au début, honnêtement, j'étais comme, tu sais, dans le fond, ce qu'on a fait, comment tu dis? On est rendu à la préparation. Maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que là, la préparation, là, on se dit, on y va-tu pas? On check les billets d'avion sont genre 1 000 $ aller-retour. On est comme, tellement cher pour aller à New York. Puis là, ça, c'était au moment où est-ce que les frontières terrestres étaient encore fermées. Fait qu'on pouvait pas y aller en auto. Puis on est genre, est-ce que ça vaut la peine? On y va-tu pas? Là, après ça, finalement, moi, je te convainc. Toi, au début, t'étais comme, ouais, c'est parce que là, justement, comme je disais tantôt, on a eu tellement un gros été que je me disais, une petite pause, mais finalement c'était comme trop once in a lifetime. Ben c'est adventure. Ça. Là, moi je me disais primé, j'étais genre c'est un investissement pour notre carrière. C'est on va y aller, on va se créer du fou content. Genre il y a pas beaucoup de monde au Québec qui vont. En fait, il y a personne d'autre au Québec qui vont. Puis genre ça va juste être tellement une belle expérience à documenter, pis tout ça. Ah, je regrette tellement pas en plus. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'était worth every penny. Ça nous a tellement coûté cher, mais comme c'était tellement worth it. Désolée, en passant, j'arrive pas à tousser. J'ai recovered d'une bronchite. Je trouve ça drôle, chaque fois que je dis ça, je suis comme... J'ai une bronchite. J'ai pas que l'alcool d'hier n'a pas vraiment aidé non plus. Ouais, c'est ça. Ben, à chaque fois, je commence à guérir un peu, puis après ça, j'ai comme une soirée olé-olé, puis après ça, ça s'empire à nouveau. Je suis genre tabarnak, puis ça, j'ai guéri. En tout cas, parenthèse. Fait que là, pour revenir, attendu. Tu racontais que de la préparation... La préparation, ok, on a pris les billets, ok, fait que là on était comme, après avoir eu les billets, là on était genre, ok, ça nous prend des outfits, là on était genre, oh my god, on était à comme une semaine du New York Fashion Week, fait, on s'entend, une semaine n'est pas suffisant pour commander du linge en ligne, c'est trop risqué là, fait que là on était comme, ok, on va aller dans des magasins, puis là la stratégie, que vous ne savez pas, cher auditeur, c'est que nous en tant que créatrice de contenu aussi, souvent c'est que, ben...
les vêtements qu'on prend en photo, il y en a beaucoup qu'on va porter juste une fois, là. Puis après ça, la photo est faite, puis c'est comme, l'événement est passé, puis après ça, on le reporte plus jamais. On avait ça surtout pour les événements, nos Instagram outfits. C'est vraiment genre, on est plus out there, on pourrait le porter durant un événement justement PR, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je mettrais dans la vie de tous les jours, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y a certains outfits que honnêtement, on le met, on prend la photo, puis après ça, il s'en retourne dans le sac, genre. Puis c'est comme, on le reporte plus. Fait que dans le fond, la stratégie qu'on a développée, c'est que, ben, on achète juste plein de vêtements, après ça, on essaie de comme créer des outfits avec plein, ça. Là, ça nous coûte environ 1000$ dans un magasin. on abuse. Là. On est comme sans limite, genre. Puis honnêtement, on prend juste tout ce qu'on veut. Fait que on est comme... On prend tout ce qui rentre dans nos bras, basically. Ouais. On se fait un méga mouton de linge. On prend les pieces les plus... Ben, comme... En fait, bon, on prend les plus nice, ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, au final, ce qu'on n'a pas porté, ou admettons, ce qui a été porté une fois, on retourne au magasin. Fait que cette stratégie-là, habituellement, ça marche... comme super bien dans des grands magasins. Mais surtout que les acheteurs font ça là, d'habitude, les stylistes aussi, c'est quelque chose de connu là, c'est pas. Ouais, c'est ça. Là, on dit ça, peut-être que vous êtes genre oh my god, ils se calment là. Aujourd'hui, je sais pas, c'est quelque chose de super connu dans. Parce que c'est pas ta môme qui était comme pourquoi vous faites ça. Ouais. Puis là, c'est juste ok que nous on s'improvise en étant nos propres stylistes, mais comme une styliste ferait ça, genre. Enfin, juste faire le petit disclaimer. Juste pour ça. Mais est-ce qu'on raconte comment qu'on s'est fait prendre à notre propre jeu? Ou... Oui. Ouais. fait que là, on s'entend, on a acheté du linge dans tout, comme, dans plein de magasins à Montréal, des grands magasins, des plus petits magasins, puis nous, en même temps, quand on publie les photos, ça nous fait plaisir d'identifier les endroits d'où le linge vient. Ben oui. Puis, dans le fond, après... ça part, là, après ça, là, en plus. Ouais, puis là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'après ça, on a envoyé Véro, qui est comme notre adjointe administrative, bras droit, qui nous aide dans tout. On a envoyé Véro pour retourner les vêtements portés au New York Fashion Week, ou comme qui avait été pris en photo au New York Fashion Week. Puis elle est allée les retourner dans une des boutiques. Puis là, la fille à la réception était comme... c'est parce que j'ai vu ta... Comment qu'elle a dit ça? Elle était genre... C'est parce que je sais que ça a été porté. J'ai vu toutes les photos sur Instagram. Elle a dit, je sais pour qui tu travailles. Puis genre, ah oui, c'est ça, je sais pour qui tu travailles. C'est vrai. Fait que là, elle était comme, on n'accepte pas le retour. Puis genre, honnêtement, c'est un peu chier parce qu'il y avait comme, honnêtement, du linge là-dedans qu'on l'avait vraiment porté juste pour la photo. Puis, du linge que moi, j'ai pas porté du tout. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on s'est... Mais là, maintenant, on a compris, dans le fond, il faut juste avertir. Ouais, il faut avertir. Puis il faut aussi, c'est parce que je comprends qu'il y a comme des plus petits, genre, store owner, comme, tu sais, ils ont peut-être pas, juste pas comme. La flexibilité qu'une grande chaîne aurait. Ouais, après, on s'est remis à leur place, puis tu sais, avec Go Crush, ça serait pas mal la même chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça pour le petit bien. Mais on peut parler aussi du fait, maintenant, de nos sacs. Donc, tu sais, vous savez, le New York Fashion Week, c'est comme, les gens, ils portent beaucoup de trucs de designer, puis nous, on voulait vraiment se mettre dans cette ambiance-là. Tu sais, moi, j'ai juste un petit sac Prada, ce qui est vraiment bien, là. Tu as un sac Chanel, deux sacs Chanel, qu'on a vraiment mis de côté pour pouvoir s'acheter ça puis se gâter, mais justement, on n'a pas une méga collection. Donc là, on voulait, avant des beaux outfits, c'est flexitant. Fait qu'on a décidé de louer ces sacs-là, qui étaient, ma foi, merveilleux. Il y avait comme le petit sac rose Prada, tu sais, j'aurais pas vraiment acheté ça, peut-être, dans la vie tous les jours, vu qu'il est plus flashy, mais honnêtement, juste ça, sachez que ça nous a tellement aidé à rentrer dans des endroits puis à get, justement, des contacts. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que la manière que, tu sais, c'est tellement comme superficiel à dire, mais en même temps, je veux dire, c'est ça l'industrie de la mode, c'est genre, la manière que t'es habillé va te faire rentrer dans des endroits ou non. Fait que, justement, le fait de s'afficher avec des sacs de designers qui eux, justement, ils ont des shows puis ils ont des défilés, justement, pendant New York Fashion Week, ça faisait en sorte que, comme, on était dans la même game, genre. T'sais, si on se serait pointé avec nos petits sacs, genre, du ado. Ça aurait été random, là. On serait rentré de nulle part. Des chaises. No hate pour les ados, là. J'ai plein d'affaires, là. Mais comme... Le chien. Donc, c'est ça. Où qu'on est rendu? Ah oui, c'est ça. Donc là, on était full excité. Excuse-moi. Je sais pas, c'est mes two last brain cells. OK. C'était pas tant drôle en plus, mais là, c'est juste que je continue à rire, fait que je suis plus capable. Excusez, c'est juste focus. Donc là, moi, en tout cas, on en a reparlé, mais moi... On oublie quelque chose d'important. Je tiens à dire qu'on a vu les tweets qui ont suivi nos photos du New York Fashion Week. Il y avait quelques personnes qui étaient genre...
oh my god, ils ont crush à peine, ou genre des affaires de même, parce ouais. qu'ils pensaient qu'on avait juste full d'argent, parce qu'on avait des designer bags, mais comme, ce qui est fun fact, on se verse même pas de salaire de cette compagnie, puis là, c'est comme, on était genre, non, ça nous appartient même pas, c'est vraiment pas ça. Mais juste pour rectifier, il était pas écrit girl crush, mais on a quand même pris la flèche parce que c'était vraiment en même temps. Ouais. Pour rectifier tout le monde, non, on n'a pas l'argent pour s'acheter tout ça. Non, puis on n'a pas des... splurge là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas des dizaines de designer bags. Puis aussi, c'est ça, là, si vous voyez, genre, justement, beaucoup de créateurs de contenu qui s'affichent avec plein de designer bags, ben, il y en a beaucoup là-dedans qui sont empruntés, qui sont loués ou peu importe, là. Fait que ça leur appartient vraiment pas. Même des dupes. Ouais, exactement. Fait que là, on était already, on a tous nos vêtements, nos valises sont vraiment énormes. Lucie, il a fallu qu'elle paye un extra 100$ pour ramener sa grosse valise. Je sais pas si cher déjà, comme, pourquoi tu t'infliges ça? Mais en fait, je me suis tellement fait crosser parce que, genre, j'ai acheté cette valise au Black Friday l'année passée en me disant, genre, parce que mon valise, elle était pétée, puis là, genre, je l'ai achetée online, puis je me disais, grosse valise. Finalement, si je la remplis, c'est sûr qu'elle est overcharge. Genre, c'est sûr qu'elle est trop lourde pis qu'elle dépasse les 23 kilos. Fait que faut que, comme, je me rappelle qu'il faut que je la remplisse maximum aux 3 quarts, sinon c'est sûr. Ouais, mais y'a pas juste ça. Last minute, t'as acheté des bottes blanches aux Browns qui, je pense, ils ont le poids de ta tête. Avec, je sais pas si notre tête est lourde, là, en tout cas. Tu sais, c'est fucking lourd. Fait que, il a juste fallu qu'elle ouvre la valise, qu'elle enlève ces bottes-là, pis là. Ça fonctionnait, puis en plus, elle avait dans ses pieds, c'est Combat Boots avec genre un set waffle, puis on va se l'avouer, genre, tu sais, des jogging avec des Combat Boots, c'est pas c'est vraiment cute. Fucking laid. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on se ramasse tellement à porter, quoi qu'on se rend à des destinations de même, que genre, on essaie juste de packer le plus à faire. Moi, j'avais on deux s'en... manteaux sur moi, peut-être deux chapeaux sur la tête. On se ramasse à porter tellement de chine bâton sur nous parce que c'est trop lourd. Puis là, il y a du monde qui nous regarde, sont comme, où vous allez? On est un fashion week. On est habillés comme des culs. Ça me rappelle la fois, tu sais, quand on est revenu du Maroc, puis on avait acheté trop de tapis. Puis j'ai dû traverser mon avec mon tapis sur le dos. Mais j'avais un pouf de... T'avais un pouf dans les mains? Tu sais, là, t'avais gardé ton pouf. Oui, j'avais ma grosse valise rose. J'avais des poufs pis des tapis. Ok, qui l'ont dit wagon, on tous nos points. Okay. C'est juste drôle à quel point c'est fake. J'ai jamais voyagé avec mes tapis. Ouais, vous voyez, beau tapis à la maison. Vous savez pas c'est quoi que qu'on a dû traverser pour avoir ce tapis. Donc, ok, on revient au sujet principal. Excusez. The New Fashion Week. Focus. Ok. Fait que je tiens à dire que moi, un des goals, c'était de travailler avec Revolve. Je sais pas si vous connaissez Revolve, c'est une compagnie, c'est un retailer, dans le fond, qui présente plein de, ben, qui offre plein de compagnies de vêtements, tu sais, Girl Crush pour être vendu sur leur site. Fait que eux, c'est uniquement en ligne, puis honnêtement, leur PR, leur marketing, c'est comme, c'est tellement huge. Tu ils faisaient, comment ça s'appelle, Revolve Around the World, tu sais, des voyages avec des influenceurs. Fait qu'on sait que, comment que ça fonctionne quand tu veux travailler avec une compagnie, ben plus tu offres du contenu puis tu commences slowly, mais plus qu'après ça tu t'es prouvé. T'as une bonne relation, puis, ouais. Exactement. Puis Revolve, c'est un peu comme, je sais pas comment le qualifier là, mais c'est un peu la brand que tu veux travailler avec parce que ils font tellement des gros événements puis comme, tu sais, mettons à Coachella, ils font un Revolve party puis c'est comme tu veux être invité là parce qu'il y a tout le monde, il y a genre les Victoria's Secret models sont là, comme Kendall Jenner là, fait que c'est comme moi je vais être dans le même party que Kendall Jenner là. Fait c'est que, ça. Puis là je me rappelle que moi j'ai vu ça là dans l'horaire, il y avait cette journée là qui était le jeudi où qu'il y avait le matin genre Halo, il y avait Revolve en après-midi, le soir il y avait telle autre compagnie. Je savais que c'était comme beaucoup de compagnies jeunes, fashion, qui s'apparentaient beaucoup à ce que nous on consomme. Mais toi, t'étais pas trop sûre du c'est ça. Gallery. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut expliquer. Fait que dans le fond, nous, on n'avait pas d'invitation au défilé, mais comme on a la chance de travailler avec une agence, on est représenté par justement cette agence. Fait qu'on a un agent. J'ai dit autant de fois agence. Il y a agent dans la même phrase. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que quand on sait qu'on s'en va à une destination, mettons, on peut travailler avec notre agent pour faire okay, est-ce que tu peux essayer de nous avoir justement des invitations dans des événements ou des affaires là-même. Fait qu'il avait réussi à nous obtenir comme deux événements. Fait qu'on était comme ok, t'sais, deux événements, on est là 4 jours. Les événements durent potentiellement 2 heures. Fait qu'on va essayer de remplir comme les trous around it, puis on va voir où est-ce que ça nous amène. Fait que là, c'est ça, une des invitations qu'on avait eues, c'était Revolve Gallery. Puis là, moi quand j'ai vu ça, j'étais comme
J'étais comme, ah, j'étais comme une galerie, genre, ça va être comme, je sais pas, je pensais, j'imaginais un musée, genre, comme d'or, des trucs accrochés, pis j'étais comme, ah, on est tellement losé, on a un peu réussi à avoir une invitation, un défilé. Moi, je le voyais de même. Ah, moi, sur le coup, j'étais quand je sais qu'on va quelque part, je me mets à faire plein de recherches, je me demandais c'était quel influenceur qui allait représenter Revolve au New York Fashion Week, c'était quoi le Revolve Gallery. Fait que, tu sais, j'étais allée sur le site, et c'est pour ça que, justement, on avait comme reçu le lien, là, par notre agence pour choisir la journée qu'on pouvait aller au Revolve Gallery, pis c'est moi qui l'avais comme sélectionné, parce que comment ça fonctionne, c'est que tu vois le nombre de places qui restent, puis je m'étais dit, oh my god, il reste pas beaucoup de places tel jour, le jeudi, c'est parce que c'est là la place la plus populaire. Fait qu'il faut y aller cette journée. Ouais, exact. Ou c'était le vendredi que j'avais pris, bref. Ouais. Fait qu'on avait sélectionné ça, puis là, j'avais tellement hâte d'y aller. Ça allait être un des premiers événements qu'on allait vivre. Fait que ça, on peut recommencer à, justement, la première journée. OK. Fait que là, on prend l'avion, on arrive à New York. Là, on est tellement excités. On est comme, oh my god, New York Fashion Week. On s'est booké un petit Airbnb, puis tout ça. Là, on arrive devant l'Airbnb. Puis là, on est comme, c'est vraiment bizarre, là. Il y a pas vraiment d'entrée, on est genre, ah, qu'est-ce qui se passe? On est comme, ça prend comme un code, on est genre, comment qu'on fait pour rentrer? Finalement, on check sur l'application Airbnb, pis tabarnak. J'étais tellement mad. La fille nous a annoncé que, ben, notre chambre était juste cancellée. Mais ça, c'était 2 heures avant qu'on arrive. T'sais, j'étais dans l'avion quand j'ai reçu le message. Fait qu'on n'aurait pas pu voir avant même d'arriver devant, tu sais. Fait que là, on était là, genre, comme des piquettes, avec toutes nos valises, toutes nos affaires dans au milieu de New York. Là, on vient de se faire annuler notre Airbnb, puis on est genre, on est tellement outrés. Dans le fond, il y avait eu comme notre chambre, en particulier, comme la tuyauterie était brisée, ou je sais pas trop, parce qu'il y avait une tempête, là, puis là, c'était de quoi d'être tellement random, puis on était comme, comment c'est possible, c'est tellement bizarre. Finalement, on s'en va prendre une petite bière à côté. On traverse la rue, puis il y avait comme ce nice spot là qu'on pouvait, comme, on a tout mis nos valises sur le côté, on s'est mis à travailler, puis je pense que c'est toi qui s'est mis à chercher un nouvel hôtel. Ouais, c'est ça. J'étais pas stressée, il fallait que je bois un petit peu. Ouais, parce qu'au début on était comme, ah yeah, on est en plein New York Fashion Week, il y a tellement de monde à New York, comme c'est sûr que tout est full cher, puis tout est booké. Finalement, comme c'était une fausse pensée, là. Je veux dire, il y avait plein d'options. Puis finalement, on a eu un meilleur hôtel. Qu'est-ce qu'on avait? C'était juste tellement beau, là. Oh, c'était tellement malade. Si vous y allez, c'est le Harlow Midtown Hotel. Ouais. Oh my god, c'est tellement beau, genre avec les plantes, la chambre était vraiment parfaite, c'était pas tant gros, mais c'était juste parfait pour qu'est-ce qu'on avait besoin. Puis là, évidemment, à chaque fois qu'on arrive à quelque part, pis c'est comme quelque part qu'on doit pull up des nice outfits, on ouvre nos valises, on étale toutes nos affaires, mais comme, tu sais, d'une manière satisfaisante. Fait qu'imaginez, là, les dizaines de chaussures colorées, toutes une à côté de l'autre, toutes les handbags, là, c'est comme le paradis de la mode, là. C'est genre, ouh, je veux ça avec ça. C'était tellement sick. Fait que là, arrive la première journée. On se repose bien, on a notre beauty sleep, puis là, on passe l'avant-midi à se chixer. Next level. Okay. Fait que là, on est comme, okay, qu'est-ce qu'on met comme outfit? Fait que là, ça, c'est cette journée-là que j'ai mis mon iconic Marge Simpson dress, qui est comme une robe en genre de gazon. Ben, pas en gazon, là, mais en mout-mout. Verte. Avec... C'était vraiment funky, gentil. C'est tellement nice parce que je trouve que dans ces événements-là, on peut vraiment comme sortir un peu de nos alter ego puis comme porter ce qu'on veut, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on se chicks max out, OK? Parce qu'on sait que, OK, là, c'est notre premier événement. C'est le Revolve Gallery. Il faut vraiment qu'on soit on point. Là, on appelle on prend un taxi, OK? By the way, prenez pas de Uber à New York. C'est tellement trop cher pour rien. Taxi all the way. Là, on prend notre taxi. Là, à un moment donné, ça fait comme 25 minutes qu'on roule, là, je suis comme, mais voyons, moi, ça, c'était pas tant loin que ça. Je regarde sur la map. J'avais tellement mal au sol. Ouais, toi, tu te sentais pas bien. Oh, non. Finalement, j'avais mis la mauvaise adresse. On était rendu à l'autre bout de la ville. Là, on savait que, comme, justement, tu sais, on avait réservé pour une heure spécifique. Fait que là, on était comme, ah, si on manque l'heure spécifique, peut-être qu'on va juste pas pouvoir rentrer, là. C'est vrai. Fait que moi, genre, j'ai tous les scénarios dans ma tête. Je suis comme, ah, on s'est tellement tout fixé, puis imagine, on rentre pas. Genre, je me sentais tellement loser, d'être genre, faire la piquette devant, toute dans ma robe Bart Simpson. Puis là, en plus, moi, j'étais sur mon cell pour voir qui allait aller en même temps à l'événement. Puis là, je vois que, tu sais, 3 influenceuses qu'on suit. Donc, Emma Léger, peut-être que vous connaissez, Nitsan Rather, puis Sophie Sukin. Je sais pas si je dis bien leur nom, mais je crois bien. Ils étaient là. Puis là, ils arrivaient pas mal en même temps que nous. J'étais tellement excitée. Je me disais, ah, mais on va les croiser, tu sais. Est-ce qu'elles, ils ont réussi à avoir, dans le fond, c'était des plages horaires. Fait il y avait, je pense, entre 1 et 4, puis après ça, 4 à 8, ouais. Ou 4 à 6, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on avait elle de 1 à,
à 4. Ouais, on arrivait comme vers la fin, là. Puis là, on arrivait, puis il était genre 4h15. Fait que là, on était comme, on a manqué notre plage horaire, comme, est-ce qu'on va pas rentrer? Là, on débarque du taxi, finalement. On arrive à la bonne destination après, genre, beaucoup trop longtemps dans le taxi, parce que finalement, la place était littéralement, genre, 10 minutes à pied de notre hôtel. Puis on l'avait juste, comme, mal checké, puis comme, on a passé, genre, une heure dans le taxi, ça nous a coûté beaucoup trop cher. Connerie. connerie. Fait que là, finalement, on débarque, puis là, il y a comme, Là, on voit, genre, tous les photographes, là, c'est comme, OK, là, on est, genre, this is the place. Il y a tous les influenceurs, genre, tu sais, tout le monde ça est super bien habillé. Ça paraissait qu'il était influenceur, ouais, c'est ça. Il attendait, comme, dans une file avec des pôles, puis l'entrée, c'était comme, comment on appelle ça, une porte, genre, tourniquet, là, comme dans l'entrée d'un hôtel. Puis là, tu vois en avant toutes les personnes qui travaillent pour Revolve, qui sont habillées en noir avec leur petit microphone, puis genre, ils sont toutes là en train de gérer. On est full excité, on prend la file, puis là, il y a un homme que lui, il est chargé de demander aux gens leurs invitations. Fait que là, moi, full fière, je sors le email, je suis comme, on avait, tu sais, je pensais que le plus gros problème jusqu'à présent, c'était le fait d'arriver en retard. Ouais. Fait que on lui montre, puis il est comme, mais ça, c'est l'invitation pour demain. Là, on se check. Moi, je comprends pas sur le coup. Toi, tu comprends un peu plus vite, mais sur le coup, je suis comme, non, c'est pas vrai, là, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est l'invitation pour aujourd'hui? Thursday? Ah, non, c'est Friday. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on avait notre invitation pour le vendredi, mais là, on s'était pointé à la journée du jeudi. Puis on était comme, oh my god, est-ce que, genre, on va rentrer? Là, on est tous chixi encore une fois. Là, je suis comme, man, OK, c'est... Genre, là, c'est en train de partir en couille. Mais là, c'est toi qui m'as expliqué, genre, que cette journée-là, c'était une journée... pas pour le public. Ben c'est ça, fait que là je commence à faire des liens dans ma tête, puis là je me rappelle que comme plus tôt dans la semaine, j'avais lu comme online, genre j'avais checké un peu c'était quoi les gros événements, puis il y avait Fashion Media Awards, puis là, il y avait le Revolve, puis dans la partie de Revolve, ça disait qu'il y allait avoir une journée vraiment pour comme les célébrités, les médias, puis tout ça, puis après ça, ça allait être ouvert au public. Puis là, je suis comme, oh my god, dans le fond, on est à la journée des médias, puis nous, notre réservation, c'était comme... juste pour une journée publique, là. Fait que comme c'était rien de temps spécial de l'invitation qu'on avait de base. Fait que finalement, on était comme, OK, fait que là, on est en file pour la journée de médias, mais là, dans le fond, c'est cette journée-ci qu'il faut qu'on vienne, là. Parce que nous, notre but, c'est de faire du PR. Notre but, c'est de rencontrer du monde. C'est d'être dans ces pièces-là, tu sais, en même temps que toutes ces personnes-là qu'on a hâte de découvrir qui vont être là. C'était comme une erreur qui nous a quand même blessed. C'est ça. Fait que là, on est comme, OK, faut qu'on trouve une manière de rentrer. Ouais. Puis là, moi, j'adore ces plans-là. Un peu de manigance, puis tout ça. Fait que là, je regarde l'os, puis je suis comme, là, on se fait un plan. Ouais. On se met dans un personnage. Je dis au gars, là, laisse-nous deux secondes. Là. On va parler à notre agent. Mais pendant ce temps-là, on parlait pas du tout à notre agent. Ouais. On était en train de créer un plan machiavélique pour pouvoir rentrer. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va être les influenceuses gentilles. T'sais, pas comme qui sont bitchy puis qui demandent de rentrer à tout prix. On va aller voir la petite madame qui est là au loin, qui s'occupe de tout. Puis on va lui dire que on a eu le mauvais lien, puis qu'on était supposé être là aujourd'hui. Écoute, nous, on vient pas de New York, on s'est déplacé jusqu'ici. On est vraiment désolé de vous déranger, mais est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut rentrer? Mm-hmm. Puis c'est là que, genre, tu sais, on le sait tous, là, si tu agis avec de la confiance, puis tu fais comme si tu savais ce que tu faisais, il y a personne qui va te poser des questions. Fait que c'est là que comme je me rappelle de comme cette phrase-là, puis là je suis comme, OK, là c'est le temps de l'appliquer, là. Faut qu'on ait l'air de fit in, faut qu'on ait l'air de savoir ce qu'on fait, puis d'être genre vraiment assigné à aujourd'hui, puis comme, this is where we belong. Fait que là on s'en va voir la madame, puis là on est genre, oh, so sorry to disturb you. Ça c'est comme des petites stratégies avec qu'on a appris, qu'on a appris aussi genre, tu sais, dans des trucs de psychologie humaine, puis tout ça, en tout cas, bref. Fait que là, on lui explique tout ça, puis là, elle nous regarde de la genre tête aux pieds, regarde comment qu'on est habillé, puis elle est comme just get in line, puis genre tu sais on we'll figure it out. Fait que là je suis comme qu'est-ce que ça veut dire, on rentre-tu, on rentre pas, en tout cas on se remet en ligne. Là finalement quand on arrive dans l'entrée pour rentrer, tu sais ils prennent les noms puis tout ça, puis là elle a fait juste dire au gars, elle est comme genre tu sais laissez-les pour rentrer, puis comme faites-les enregistrez-les aujourd'hui, genre. Puis là on est comme on s'en regarde, genre. Mais sur le coup, ça se passait tout à l'intérieur de nous parce qu'on pouvait pas devant eux faire genre « Ah! » Mais on avait juste envie de crier, honnêtement. Puis là, justement, ils regardent, bon, pour la vaccination puis tout. Puis là, ils nous disaient ça, tu sais, c'est fait, vous pouvez comme...
rentrer dans l'ascenseur. Disposer, ouais. Rentrer dans l'ascenseur. Et là, on voit comme des hommes tout en tuxedo, genre full bien habillés, qui nous disent c'est où la voie pour aller prendre l'ascenseur. On rentre dans l'ascenseur juste au moment où que les portes se ferment. Lucie est comme « Oh my God! » Mais ce que vous saviez pas, c'est qu'il y avait genre encore le monsieur qui est à côté, puis il nous regarde, puis il rit un peu sur le coin, genre il voit qu'on est bien amatrice, là. Puis les portes, dans le fond, l'ascenseur était quand même gros, fait qu'il y avait des portes d'un côté où on venait de rentrer, puis pour rentrer au Revolve Gallery, c'était les portes de l'autre côté. Fait que là, quand ils se mettent à rouvrir, on voit en gros Revolve Gallery, tout en genre... Ah, c'est tellement... Comment ça s'appelle? Ben, je sais pas, c'était comme texturé. C'était juste tellement impressionnant, comme chaque détail était tellement beau, puis comme... Tu sais, ce qui est tellement fou aussi avec le New York Fashion Week, puis tous les événements autour de ça, c'est que ils vont créer un décor comme éphémère. Tu sais, tous ces décors-là sont mis en place pendant seulement une semaine. Puis après ça, ils les enlèvent, là. Puis ils travaillent ça depuis des mois, là. Ah ouais, puis c'est comme, tu sais, tout le tapis, c'est juste tellement, les murs, ils ont tous été montés, là. J'ai vu le before, là, c'était fou. Il y a des fleurs partout. En plus, c'est des vraies fleurs. Ça sentait bon. Tout était du tapis, mais genre vraiment beau, là. Fait que là, on prend quelques photos. Puis là, au loin, on voit comme un tapis rouge. Ouais, c'est ça. Il y a comme un tapis rouge, là. Il y a plein de photographes. Puis il y a comme, tu sais, les genres de background, un peu comme quand on voit les célébrités, là, qui prennent des photos, tu sais, pour des événements, puis tout ça. Fait que là, puis là, il y a comme des gens qui sont en file, comme pour passer sur le tapis rouge, puis comme tu sais, c'est comme un corridor, puis là il y a comme la file, fait que nous on pense que genre tout le monde passe là, fait que on se met en file, on se met en file, on est comme ok, on va prendre une petite photo sur le tapis rouge, monte avec, tu vois, ça fait, on est comme deux minutes qu'on est là dans la file, puis il y a un monsieur qui vient nous voir, qui dit ah vous pouvez continuer, vous pouvez continuer à avancer par là bas genre. On est comme ah, ok, fait que là on s'en va comme plus loin, on passe de comme l'autre côté, puis là on admire les personnes qui passent genre sur le tapis rouge justement, puis on est comme ah, est-ce qu'on reconnaît du monde, là finalement tabarnak, c'est Barbara Paulvin, je sais pas si ça c'est qui, c'est une Victoria's Secret model magnifique, ouais, avec son chum qui est Dylan ou Cole Sprouse, en tout cas, Dylan, ouais, Dylan Sprouse, Zach and Cody, you know, Sweet Life on Deck. En tout cas, moi, je fangirlais, là. Moi aussi, j'étais capitée. Puis on voulait comme prendre des souvenirs, mais en même temps, tu sais, il faut que tu sois, genre, quand même posé, puis t'as l'air de pas fangirl après tout le monde d'une manière démesurée. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que subtilement, je suis comme, mets-toi là, je vais prendre une photo de toi. C'est ça, fait que c'est comme, on admire de loin, puis on est comme, OK, faut juste essayer d'avoir l'air super calme, puis genre, pas trop groupie, puis tout ça. Puis un affaire qui m'a full surprise quand j'ai vu ce genre de behind the scenes, parce que c'était la première fois que je voyais un tapis rouge, je pense, aussi comme impressionnant, là, comme avec des vraies vedettes américaines. Il y a des flashs partout, tu sais. Ouais, il y a tellement de flashs, il y a tellement de photographes, mais ça, on dirait que ça a un peu pété la magie quand j'ai vu ça, là. Il y a comme quelqu'un qui se tient à côté avec une ardoise, avec le nom de la personne qui est sur le tapis. Fait que là, les paparazzi, ou genre les photographes, quand ils prennent les photos, je pense qu'ils prennent une photo comme du nom, puis après ça, ils prennent en photo de la personne. Fait que là, ils savent tout le temps c'est qui exactement. Puis j'étais comme, ah, en même temps, c'est quand même c'est bright. Ouais, ouais, c'est ça, pour l'organisation. Puis des fois, t'es pas au courant de vraiment c'est qui, là. Nous, on savait, mais il y a eu plein de gens qui ont passé sur ce tapis rouge-là qu'on avait aucune idée. Ouais. Ben d'ailleurs, je me rappelle, on postait des stories, puis il y avait des gens, mettons, qui étaient comme, oh my god, c'est telle personne, puis j'étais comme, je sais même pas, tu sais, c'est qui cette personne-là. Fait que là, oh, ok, là on commence à marcher dans le Revolve Gallery, là, pis honnêtement, c'est malade. Il y a des mannequins, ben des vrais mannequins, des humains, qui paradent avec les vêtements, mais genre, c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est une galerie. Fait que c'est comme si, genre, ils sont comme statiques, genre, ils bougent pas. Puis des fois, ils vont comme changer de pose, comme juste pour montrer les vêtements. Pis ça, j'étais juste comme, what the fuck, c'est tellement malade. C'était tellement beau, il y avait comme plein de lumière avec genre, c'était style disco, le premier magasin qu'on a vu, la première brand. Parce que dans le fond, c'est plein de brands qui ont comme une genre d'activation, là. Fait que à chacun, ils le mettaient à leur manière. Fait exemple, il y avait Cell Active, il y avait comme des télévisions, puis c'était vraiment plus axé sur le sport. Fait que ça avait vraiment pas l'air de For Love and Lemons, qui avait des fleurs partout, ou même pas, c'était pas lui, mais bref. Fait que le premier, tu sais, on le voit, puis on pensait que c'était juste ça. Moi, en tout cas, je pensais que c'était juste ça. Finalement, il y a des couloirs, puis c'était comme un labyrinthe qui tourne en rond, puis qui te mène à d'autres places. Fait que là, on avance, il y a des gens qui se promènent avec des petites bouteilles de Moët, puis tu sais, tu peux comme... Ah ouais, c'est fou, fancy, là. Fait que là, on est comme, wow. Fait que là, tu sais, on continue à se promener, tout ça, on commence à comme reconnaître un peu du monde, tu sais. Au début, beaucoup de, comme, mettons, des TikTokers, whatever. Puis là, à un moment donné, on tourne un coin dans une pièce. Puis là, je vois juste... Ça se fait perdre ta voix tellement que... toute l'émotion revient. Fait que là, je vois juste comme plein de personnes comme dans un moton qui prennent des photos dans une direction. Puis comme, tu sais, depuis le début, oui, il y avait comme...
plein de gens comme connus, mais tu sais, il y avait pas eu un aussi gros mouton de personnes depuis le début qu'on était là à la galerie. Fait que là, je suis comme, il y a comme un mur. Fait que là, je mets ma tête, genre, juste pour comme regarder. Puis tabarnak, c'est Megan Fox qui est là. Oh my god! En chair et en os. J'étais comme, je me retourne vers elle, puis je suis juste comme, fuck. On avait juste aucun autre mot, honnêtement, là. Puis tu sais, je pensais pas qu'on allait avoir une aussi grande célébrité. Puis après ça, ben, on a essayé de la suivre. Puis finalement, elle est comme, je sais pas comment elle allait disparaître dans ce labyrinthe-là. Je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre pour elle, pour qu'elle sorte. Puis tu sais, on l'a pas juste vue de côté, là. Elle s'est vraiment amenée. Tu sais, quand elle est sortie du petit trou, là, que tu parles, ouais. Elle était face à nous, genre, avec ses beaux yeux. Puis, ben oui, ouais. Mais je l'imaginais plus grande, par contre. Ouais. J'étais vraiment surprise. C'est ça qui est fou, c'est comme, tu sais, c'est que, tu vois ces personnes-là, genre, tu sais, dans des films, dans des photos, pis tout ça, pis là, c'est comme, ben, c'est vraiment un être humain, tu sais. On dirait que ça normalise aussi la chose, tu sais, des voix en vrai, tu sais. C'est aussi de réaliser que, ben, tu sais, c'est des êtres humains normaux. Ouais, qui ont des émotions normales, pis. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est vrai que là, ça paraissait vraiment qu'elle était prise en photo, mais tu sais, tout au long, moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est de voir les influenceurs puis les autres vedettes faire subtilement du PR puis s'approcher des autres. Fait qu'à un moment donné, on a justement vu Emma Léger, tu sais, que j'espérais voir avec les autres filles. On est allé leur parler parce que Girl Crush a travaillé avec elle. Fait que c'était vraiment un moment excitant de pouvoir avoir une petite conversation. Puis tout de suite après, je les ai vus quand ils ont vu comme Noah Beck ou genre Chantel Jeffries ou d'autres gens comme ça. Jeffries, ouais. Je pensais que ça faisait du fries. Sorry, du fries. Bref, tous ces gens-là qui sont comme magnifiques, ben, tu les voyais que doucement, ils allaient genre vers eux, puis ils chit-chattaient avec eux. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est vraiment un art, tu sais, faire du PR. Puis quand que je repense à cet événement-là, comme, tu sais, je suis vraiment fière de nous parce qu'on a quand même réussi à parler à du monde. Puis mais en même temps, je me rappelle sur un moment, j'étais comme, ah, faut que je trouve une meilleure manière de comme plus aborder les gens. Puis tu sais, je me mettais full de pression pour essayer de comme, tu sais, je sais pas, essayer de faire des liens. Parce que là, j'étais comme, hey, je sais pas c'est quand que ça va se représenter cette opportunité. Peut-être que c'est la dernière fois de ma vie. On dirait que je le voyais de même. Ouais. Puis là, finalement, après, je suis comme, ok, non, c'est juste le début. C'est le premier événement comme ça qu'on a assisté d'une aussi grande envergure. Fait comme, tu sais, c'est un skills qui se développe, là, le fait de rencontrer du monde, de faire du PR, là. Mais surtout, je pense que c'est important, tu sais, pour toutes vous qui nous écoutent aussi. Tu sais, peu importe si vous triper sur quelqu'un ou comme nous, tu sais, vous admirez quelqu'un, c'est correct d'aller lui dire. Mm-hmm. Puis, tu sais, pas nécessairement de prendre des photos, mais juste de dire, hey, j'aime vraiment qu'est-ce que tu fais, j'ai vu que t'as fait ça, puis acknowledge que tu connais déjà la personne. On le fait pour plusieurs influenceurs comme Valéria, par exemple, que t'avais déjà rencontré. Tu sais, juste lui dire que on a vu ses petites vacances en famille, tout ça, puis je sais pas, moi, ça m'a mis en confiance parce qu'après ça, ben, on faisait vraiment partie de ça. Ouais, fou. Puis aussi, moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est genre, à quel point, comme, c'est tellement plus facile de parler à quelqu'un quand tu sais vraiment pas c'est qui. Parce que, comme, on dirait que quand que mettons, il y avait certaines personnes, justement, qu'on suit étroitement, fait que, mettons, Emma Léger. Puis tu sais, c'est fou, là, parce que, comme, tu sais, on a travaillé avec elle, là, puis comme, tu sais, elle est quand même accessible dans le sens qu'elle est canadienne, tout ça. Juste, on l'a déjà, comme, croisé dans des événements. Mais on dirait que vu que je la suis, comme, activement, puis j'écoute son podcast, là, on dirait que j'étais comme, je sais juste trop d'affaires sur sa vie, puis elle me connaît pas, genre. Fait que j'étais comme, je sais pas comment jaser avec elle, genre. J'étais comme, fuck, qu'est-ce que je dis, gentil, tu overthink. Alors que, comme, plus tard, genre, dans la soirée, tu sais, ça arrive que, mettons, on a passé full de temps à parler avec une fille qui s'appelle Mariama, puis comme elle, ça c'est une designer puis tout ça. Ah, ça c'était actually une autre journée, mais on savait rien d'elle, puis là finalement elle c'est comme une mannequin full connue aux États-Unis, puis comme elle est tellement gorgeous là, by the way. Puis en tout cas j'adore son contenu aussi, là. Mais parallèlement on a quand même vu quelque chose de similaire. Fait qu'à un certain moment il y a des gens qui disent, ah, il se passe quelque chose dans pour telle brand, je sais plus c'est quoi le nom de la brand, mais en tout cas qui est avant chez Revolve, qui est par une black owner, puis genre elle était là, puis il fallait qu'on aille là à titre de figurante pour faire semblant de jaser avec elle, puis poser des questions sur sa marque, parce que Revolve, d'après moi, il allait faire genre un vidéoclip avec ça. Puis justement, on connaissait pas sa marque, on la connaissait pas, mais c'était tellement beau. C'est comme des pieces genre avec des cutouts, fait que c'est avec des genre de trous là, si on peut dire, des belles robes puis tout ça. Fait qu'on lui demandait comment qu'elle avait rentré chez Revolve, c'est quand même un gros step. Puis on y avait parlé de Girl Crush aussi. Puis turns out que elle, c'est Kylie Jenner qui avait porté un de ses pieces, puis c'est comme ça qu'elle s'est faite connaître. Puis je sais plus, elle nous avait parlé, je pense, des chiffres qu'elle avait faites, mais tu sais, c'était fou comment ça allait skyrock. Ça faisait juste un an qu'elle avait son entreprise, puis c'est ça. Puis avant d'être déjà chez Revolve, elle était là au New York Fashion Week. C'est comme d'avoir que tes vêtements soient au New York Fashion Week, quand ça fait un an que ta marque existe, c'est vraiment impressionnant, là. Ouais. Fait que non, ça, c'était assez inspirante. Ah ouais, tellement inspirante, ouais. Honnêtement, c'est ça que j'en tire, là, de ce moment-là. Là, on a eu tellement des discussions comme avec des gens
tellement inspirant. Fait que là, après ça, attends, est-ce qu'on close le chapitre Revolve? Ouais, on close le chapitre Revolve. Okay. Fait que là, on savait que... Là, on peut peut-être parler des petites bouchées, c'était vraiment délicieux aussi. C'est vrai, il y a des petites bouchées, c'est nice. Donc, OK, fait que là, après ça, deuxième partie de la soirée, là, on part de cet événement-là, il est rendu comme 6h30, puis dans le fond, notre agent nous avait dit, vous êtes booké pour une entrevue avec comme la marque de parfum Cacharel, mais c'est à 4h30. Puis là, nous, il était rendu 6h30, on était comme, OK, on l'a manqué, là, c'est fini. Fait que là, on regarde, on est comme, est-tu trop tard, on y va-tu, puis tout ça. Fait que là, ils sont comme, OK, non, allez-y. Fait qu'on on fait juste se faire texter une adresse. Fait qu'on rentre dans le taxi, on a aucune idée, on s'en va où, on sait juste qu'il y a peut-être une marque de parfum qui veut nous parler, genre, je sais pas pourquoi. Honnêtement, on est comme, pourquoi ils veulent nous passer en entrevue? On sait pas. On est comme, on y va. Finalement, on débarque du taxi, on est au Rockefeller Center, OK? Puis là, c'est comme super impressionnant parce qu'il y a plein de photographes, encore une fois, dans l'entrée, là, on est comme, Mais attends, ils sont pas activement en train de prendre en photo quelqu'un, ils sont comme toute là en train d'attendre quelqu'un. Il attend, on est comme, OK. Là, on le sait qu'on est comme un peu en retard, puis là, dans le fond, il y a comme une personne ressource sur place de la marque qui nous texte, puis qui nous dit, ah, avez-vous des bancs? Puis on est comme, des bancs? Pourquoi on aurait des bancs? On est comme, non, pas de bancs. Puis là, elle fait juste nous dire, OK, ben c'est correct, assisez-vous à 31C. On est comme, OK. OK. Fait qu'on rentre dans le bâtiment, là, il y a comme ce genre de tapis rouge, mais il y a personne, il y a juste comme les bodyguards, genre, tu sais, clairement, les gens sont déjà à l'intérieur, là, on est comme en retard ou on sait pas trop. Fait que là, ils nous posent même pas de questions, ils sont juste comme, ladies, this way. Fait que comme, tu sais, on fit in, là. Fait que c'est encore une fois, on est encore dans nos petits outfits de cette première journée-là, robe gazon pis tout. Là, on rentre dans l'ascenseur, on est comme, on sait même pas, on s'en va à quel étage, pis il y a même pas de bouton à l'intérieur de l'ascenseur, là. Fait que, on monte vraiment vite, là. On a comme de la pression dans les oreilles, là. On est comme, tabarnak, on s'en va à quel étage? Finalement, on arrive au 63e étage. Puis là, c'est comme le sunset. Puis là, c'est incroyable. Là. C'est comme une, je sais pas, c'est comme un étage qui est comme tout vitré. Puis là, il y a encore une fois un tapis rouge, mais là, on dirait que les gens sont tous passés, là. Oui, il y a personne. Il y a personne, c'est ça. Fait que là, on est comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit comme une pièce au bout. Fait que là, on suit, là. On est comme, OK, on va aller checker. On entend comme une voix qui est un peu familière, comme quelqu'un qui donne un speech. Puis on est comme, c'est qui ça? On reconnaît la voix. Là, on rentre dans la pièce, puis on s'entend, c'est quand même assez intime. Il y a comme à peu près 90 personnes dans la pièce. Puis là, je tourne la tête, puis là, je vois une des plus grandes célébrités au monde, OK? Fucking Gigi Hadid, qui était là sur le stage, en train de faire un speech. Pis là, comme, clairement, t'es nous, on rentre dans la pièce, pis c'est comme, elle est en train de faire un speech, pis là, tout le monde est assis, là, comme nous, on est genre, des petites intrus, genre, ouais. Qui rentrent, pis on est comme, what the fuck, genre, pourquoi on est ici? On se regarde, pis on est comme, OK, on va aller trouver les seats. Ouais, on est comme, on s'assoit, là, pis là, je suis juste comme, OK, je savais trop pas qu'on venait ici, finalement, on réalise que c'est le Fashion Media Awards, pis comme, on avait aucune idée, quoi, qu'on allait, pis ça, c'est un autre événement majeur du New York Fashion Week, que genre, on était juste même pas au courant, pis c'est juste, on est juste tombé là. Puis là, il y a plusieurs déposé, là. C'est ça, puis il y a plusieurs catégories. Donc, il y avait exemple, comme on disait tantôt, genre meilleur press magazine. Je sais même pas c'est quoi les titres, là, mais bref. Ouais. Puis à chaque fois que quelqu'un a été nominé, il y a quelqu'un pour présenter cette personne-là. Puis après ça, on avait le ou la gagnante qui venait en avant pour faire son speech. Mm-hmm. Fait que là, on s'assoit, puis là, on est comme, il y a free drinks là-bas. On va aller se get un petit drinks. On regarde les speeches, puis honnêtement, c'était tellement émouvant, comme les gens qui racontaient leurs histoires, puis tu sais, souvent il y avait des larmes, puis c'était, je sais pas, c'était tellement fou. Fait que là, on est full à l'écoute, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle, puis qui dit, ah, we can skip that. Ouais, puis on est comme, skip that, de quoi skipper quoi, là? Fait que, tu sais, nous, on est full, comme, t'es dans le speech, là, comme, c'est comme, on regarde les personnes sur le stage, puis on est comme, ah, oh, wow, puis on est tellement, comme, inspiré, puis tout ça. Puis là, quand elle dit ça, on est comme skip that, puis elle pointe vers l'arrière. Fait que là, on se retourne, puis là, on réalise qu'il y a un genre d'écran géant avec comme les speeches qui défilent. C'est comme le script qui défile, puis j'étais comme, oh my god, je savais trop pas qu'il y avait ça, là! Fait que c'est sûrement que she meant it, genre, elle y pensait vraiment, c'est juste, elle a quand même skippé une partie de qu'est-ce qu'elle a écrit, genre, puis c'est tout est déjà passé. Mais en même temps, je peux comprendre, ça peut être quand même difficile, mais ça enlève un peu la magie. Ouais. Mais ça, c'était Rita Ora. Je sais pas si... C'est vrai. C'est quand même...
En tout cas, c'est quand même une big chanteuse, je pense. En tout cas, Ouais, il y avait des acteurs. Ouais, c'est ça. Mais après ça, j'étais comme, j'essaie de regarder, à chaque fois que quelqu'un faisait un speech, j'essaie de regarder, ah, est-ce que c'est tout le monde qui a le script? Ouais. Fait que j'étais comme, c'est tout le temps de même, genre, pis c'est qui l'écrit le script? Je suis sûre que c'était pas nécessairement elle, mettons. Puis finalement, tu sais, il y en a qui avaient comme des petites notes écrites à la main, ou genre, il y avait d'autres gens qui avaient plus improvisé. Fait que ça dépendait vraiment. Puis c'est ça, comme on était juste là, puis c'était juste tellement fou de pouvoir être dans cette pièce avec tellement de personnes de l'industrie de la mode, que c'était tous comme des géants de l'industrie de la mode. Des gens établis, fort pour se rendre là. Ouais, c'est ça, que ça fait comme des dizaines d'années qu'ils sont dans leur carrière ou comme que tu sais qui ont eu énormément de succès. Fait qu'on dirait que juste dans cette pièce là, j'étais comme, oh, il y a quelque chose de spécial ici, puis comme j'essaie juste de comme m'imbiber le plus possible de ça, puis comme tu sais, à chaque fois que chaque personne faisait un speech, tu sais, ils revenaient un peu sur leur parcours puis tout ça, fait que de voir comment qu'ils ont commencé, puis de voir où est-ce qu'ils sont rendus, puis de voir qu'ils gagnent des prix puis tout ça, c'était fou là. Il y avait comme juste tout type de personnes là, fait que Il y avait tellement de pinch me moments durant ce voyage là que on va être forever grateful. Plus sinon, attends, il y avait qui d'autre dans cette pièce-là? Ah ben là, à ce moment-là, il y avait encore Barbara Palvin puis Dylan. Fait que cette journée-là, on a fait les mêmes événements que Barbara puis Dylan Sprouse, là. Ouais. Mais eux, ils se sont changés, puis il y avait des night outfits, puis on était comme fuck, on a fait l'erreur de ne pas se changer. Exact. Le truc aussi au New York Fashion Week, il faut savoir, les gens se préparent un day outfit puis un night outfit. Mais nous, on avait comme pas le temps entre les deux, là, parce que... On pensait être en retard déjà. Fait que c'est ça. Il y avait aussi Candice Swanepoel. En tout cas, moi, j'ai toujours... Oui, magnifique. C'est tellement bien. Je capotais. Il y avait aussi la fille qui a fait le film Clueless. Elle est comme âgée dans le temps, là, mais je l'ai quand même reconnue. Puis... Non, mais c'est parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait fait ce film-là. Puis tu sais, elle avait été reconnue pour ça. Fait que, ouais. Ouais. Beaucoup de personnes aussi qui ont comme, tu sais, je reconnaissais le visage, mais j'étais comme, je sais pas c'est quoi, mettons, leur nom. Fait que, mais non, c'était absolument incroyable. Honnêtement, je me sentais vraiment comme imposteur, mais en même temps, j'étais comme, on est ici pour une raison en ce moment, puis comme, c'est juste fou, là. Mais c'est ça, c'est juste drôle parce qu'on voit comme l'avant-scène, mais c'est vrai qu'on sentait imposteur parce que dites-vous que les soirs, on n'avait même pas d'énergie pour sortir ou comme aller au restaurant. On achetait toujours du Uber Eats. Fait que genre, un soir, on mangeait de la pizza froide. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était en retard. Du spaghetti, des affaires de même. On était là dans notre lit. Il y avait plein de taches rouges sur le lit parce qu'on mangeait comme des petits cochons avec toutes les designer bags en haut. c'est pas de l'amour. Mais c'est ça, c'est fou comme que, il y a comme ces moments-là qui sont tellement jet set. Puis après ça, l'instant d'après, on est justement, comme tu dis, dans la chambre d'hôtel avec notre Uber Eats dégueulasse, genre. Alors, les deux extrêmes. Fait que après ça, le reste du voyage, c'était comme, on a eu un ou deux autres événements, puis comme on en a profité pour essayer de justement se faire plus de contacts, puis genre rencontrer des gens. Puis c'était super aussi, on a rencontré Adidas, de Adidas Jewels. C'était une des premières marques avec qui j'ai travaillé sur Instagram, que genre on faisait comme des collaborations puis tout ça. Puis là, de rencontrer comme la fondatrice, dans le fond, c'était tellement fou aussi parce que j'étais genre, aïe, ça fait comme 4 ans qu'on travaille ensemble, puis là, elle ouvre sa première boutique, elle ouvrait une nouvelle boutique, puis là, de comme jaser avec elle, puis voir comment elle a bâti son empire, puis là, maintenant, il y a comme toutes sortes de célébrités qui portent du Adidas Jewels, là, c'est fou, c'est ça. Nous, on la voit encore comme une personne tellement big, mais tu sais, elle-même, là, est en train de vivre un moment, là, fait que ça, c'était fou. Puis là, justement, on avait été invité à l'autre événement qui était Rebecca Minkoff, puis juste pour vous remettre en perspective, là, c'était exactement genre le résumé de tout ce voyage-là, le fait de se présenter quelque part, avoir tellement de confiance. On est rentré là, dans, je vais revenir à qu'est-ce que c'est, là. Je sente un peu d'étape, mais dans le fond, Rebecca Minkoff, c'était encore une fois pas un défilé, c'était comme un genre de showroom qu'on peut appeler encore, genre une petite place avec, honnêtement, après avoir vu le Revolve Gallery, il y a rien qui C'était vraiment un peu décevant. Fait qu'on arrive là, tu sais, une fois rentré, c'est comme une petite pièce, là. Ça ressemble à la pièce de podcast, là. C'était tellement petit. Puis il y avait genre des photos, des vêtements comme imprimés en grand format. Puis c'était juste ça. C'est ça. Il y avait un petit stand de crème glacée. C'était vraiment cool. Mais moi, je pouvais pas en manger parce que je suis lactose intolerant. Fait qu'on rentre là, puis on est comme un peu déçus, on fait nos stories juste pour que Rebecca Minkoff soit au courant. Puis après ça, on sort, puis c'était comme dans un genre d'hôtel où il y avait un restaurant. Fait qu'on se met à dîner, puis on voit les gens rentrer de plus en plus dans la pièce. Fait qu'on se dit, bien, on devrait y retourner, tu sais, puis aller chercher la petite crème glacée pour toi. Fait qu'on re-rentre, puis là, il y a méga plus de personnes. Là, je pense qu'on est le trip. L'atmosphère est différente. C'est ça, c'est totalement différent. Puis aussi, à noter que pendant qu'on mangeait, tu sais, on voyait les gens qui rentraient, puis on dirait que plus ça avançait, plus les gens étaient comme vraiment bien habillés. Tu sais, au début de la journée, c'était comme...
c'était plus casual. Puis là, maintenant, c'était comme, OK, les gens, ils ont l'air fancy. Puis là, c'est comme, il y a l'air d'avoir du monde important. Mm-hmm. Puis là, finalement, on rentre. Puis encore une fois, c'était comme plein de personnes qu'on avait vues déjà à l'événement de Revoir. On savait qu'il y avait, comme, il était dans le coin, tu sais. Genre, Olivia Ponton, si vous êtes sur TikTok. Mm-hmm. Si je savais c'était qui un peu, mais je fangirlais pas assez pour aller y parler. Ah, il y avait Madison Pettis. Oui, aussi, c'est vrai. Il y avait la mère de Dixie et Charlie D'Amelio. Mm-hmm. Elle avait l'air super fine. Puis elle avait l'air d'être avec une petite team, genre, mm-hmm. avec elle. Mm-hmm. C'est vraiment cool. Fait que la journée s'est terminée comme ça, je crois bien. Oui. C'était un petit peu plus soft. Mais je pense qu'honnêtement, je pense que ça fait comme le tour des gros éléments de cette expérience qui était légendaire. Tu sais, honnêtement, on est rentré là-dedans, on n'avait aucune idée comment ça allait se passer. On savait que comme on avait peut-être deux petits événements nice. Finalement, comme on a réussi à comme put ourselves out there, puis comme à accéder à comme encore plus de belles opportunités. Puis comme pour moi, ça me démontre juste que comme ben premièrement au niveau de la confiance, c'est le fait de comme rentrer à quelque part. Puis c'est comme ok, genre si toi tu crois en toi, ben les autres vont croire en toi aussi. T'sais. Puis si t'as l'air de comme fit in, comme ça marche. Fait que honnêtement, c'était juste vraiment une bonne expérience. Ouais, c'était vraiment un beau rêve qu'on a check. Ouais. Ouais. Puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Honnêtement, moi aussi, genre, je réalise que dans la vie de tous les jours, tu sais, je vais avoir une confiance en moi, mais comme, tu sais, il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur, tu sais, mm-hmm. qui était mentionné tantôt, qui m'arrive. Puis tu dis, il faut croire en nous, puis dire qu'on mérite ça. Mais des fois, je trouve ça dur de dire, oh my God, je le mérite. Tu sais, pourquoi moi, puis genre, pas quelqu'un d'autre? Mais là, de t'avoir à mes côtés, puis de, tu sais, ensemble, on était une team, que ouais, genre, OK, j'aime ton outfit, oh, je te replace les cheveux là, tu sais, on était là l'une pour l'autre, puis on vivait ça ensemble. Fait que ça m'a full aidé, puis j'en sors de là avec vraiment une meilleure confiance en moi, justement, parce qu'après ça, quand j'arrive dans un autre moment où je me dis, genre, est-ce que moi, je devrais faire ça, ou tu sais, ben, je repense au New York Fashion Week, puis je suis comme, check où ça t'a mené. Go, c'est vrai, vas-y. Hein? C'est fou, hein, parce que j'avais jamais pensé au fait que, justement, on est comme un petit duo, puis genre, de rentrer à quelque part. Putain, mettons, justement, quand on est rentré au Fashion Media Awards, puis là, il y avait Gigi sur la scène, j'étais comme, tu imagines rentrer là seul, je me serais chié dessus, j'étais comme, j'aurais été en petite boule dans mon coin, genre. Mais là, on était les deux, fait que j'étais comme, yes, on marche fièrement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça nous a mis quand même loin, tout ça. Ouais. Puis aussi, je trouve, finalement, que comme, tu sais, c'est quelque chose que, genre, on savait, c'était comme semi-planifié, nos journées étaient comme semi-planifiées, puis finalement, juste, tu sais, quand ton instinct te dit d'aller à quelque part, tu sais, c'est pour une raison. Puis je pense que notre instinct nous disait que vous devriez y aller, puis comme même si genre notre planning était pas A1, puis on avait pas comme genre on était pas booké pour aller à plein de shows, finalement on est allé, puis comme c'était tellement une belle expérience, puis on a make it worth it. Je pense que c'est mieux comme ça, justement, de go with the flow. Puis tu sais, si vous avez vu nos photos sur Instagram, vous voulez comme go back dans sur nos feeds, on a beaucoup d'outfits, mais c'est parce que le matin on se levait, on prenait plein de photos avec nos outfits, puis après ça on allait aux événements. Mm-hmm. Parce que c'était comme ça que ça fitait le mieux. C'est fait ça. Puis au final, je pense que pour nous, tu sais, le fait de montrer qu'on a pu aller là, ben tu sais, notre objectif évidemment c'est d'éventuellement réussir à se faire éviter au défilé, peut-être un jour aller au Paris Fashion Week ou Milan Fashion Week. Fait que tu sais, pour nous c'était comme le baby, genre first step. Fait que là, pour ceux qui sont encore là en train d'écouter en ce moment, comme vous nous entendez dire ça, puis comme la journée qu'on va aller justement dans ces Fashion Week, on va être genre Oh my god. Ouais. J'aimerais tellement ça qu'on aille au Met Gala. Enfin, c'est genre quelques jours après. Oh my god, ça serait un autre level. Ouais. OK, fait que on le met sur notre table. Ouais. Rappelez-vous ça. Ouais, fait que là-dessus, je pense que c'est ce qui conclut cet épisode. Oui, mais merci d'avoir été avec nous. C'était tellement fun de vous raconter cette story time là. Oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de en privé s'il vous plaît. Mm-hmm. Y a aussi nos vêtements. Puis encore une fois, c'est Girl Crush qui nous a habillés aujourd'hui, nos petits ugly sweaters qui sont pas très ugly en fait là. Si sont vraiment sick. Exact. Puis oubliez pas de nous donner 5 étoiles si jamais vous avez aimé cet épisode-là. C'est toujours apprécié d'avoir vos petits témoignages puis savoir qu'est-ce que vous avez aimé de cet épisode. Fait que là-dessus, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Bye!